Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de notre aventure. On démarre tout de suite parce que je suis attendu quand même. La suite de Stratholme pour cet épisode qui sera peut-être, je dis bien peut-être, hein, j'en sais rien, le dernier, on verra. En théorie, on devrait finir cette partie-là de Stratholme dans celui-là, dans cet épisode. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Donc l'épisode risque d'être un petit peu long. Si on fait la fin de cette aile de Stratholme et qu'on fait l'autre côté, après dans la foulée, ça risque d'être un petit peu long. Et encore que là, ça va, on a un groupe qui quand même envoie du lourd. Et si c'est pas le cas pour la prochaine aile de Stratholme, ça va faire un épisode un peu longué, je pense. Allez, allez, allez. En plus, j'ai pas réparé entre temps, rien. Je suis parti au combat comme un voleur. Et non comme un paladin. C'est vrai que j'aurais pu réparer mon équipement quand même avant de venir en donjon, ça aurait été mieux. Alors, nous voilà dans le bastion écarlate, ça y est. Ce qui était autrefois le bastion écarlate, hein, parce que maintenant ça s'appelle le bastion des ressuscités, j'ai envie de dire. Bon, ils ont gardé le nom bastion écarlate. Mais bon, c'est un peu le bastion des ressuscités, quoi. J'ai pas réussi à le sélectionner. Ils font mal, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ici, le commandant Malor. Ah.
défoncer des sacs à PV ces boss Astratol, c'est un truc de fou. Bon, lui, c'est réglé. Au suivant. On est à peine niveau 51. Ah, alors on va ressortir. Hop. Alors, ce serait bien qu'on ne meure pas tout de suite. Voilà. Ouais, je trouve qu'on est pas mal, hein. C'est vraiment un bon groupe. C'est pas tout le temps. C'est assez rare pour être souligné. Allez. Alors ici on va trouver le forgeur de marteau ressuscité, juste là avec les plans de forgeron. Là, voleur, je ferai fondre vos restes. Allez, continuons notre bout de chemin. Allez hop. Ah
Ah, c'est vraiment un très bon groupe, hein. Vitesse à laquelle on avance. Alors, Willy, mutile espoir. C'est parti. Voilà, je vais le reculer un peu. Il a tendance à faire apparaître voilà, des ZAD derrière. ZAD qu'il faut détruire avec les canons, hein. Normalement. Et a priori, là, on s'en dispense. Alors, je suis bloqué derrière le râtelier. Voilà, ça va mieux quand j'utilise des canons. Du coup, je pense que c'est moi qui vais le gérer. Bon, c'était pas trop mal. Il nous reste que l'instructeur Galford et évidemment Balnazar. On n'est pas trop mal. Alors, ça pique pour moi. Hop. Voilà. On va s'occuper d'eux. Bon, allez, c'est la dernière ligne droite. Croisade écarlate anéantira les méchants et chassera le mal de ces terres. Bah oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique. Ben, bien joué à toi, Dynamite, vraiment. Pas mal du tout.
on va s'occuper de Galford. Ah, il va falloir qu'on aille réparer parce que je suis pieds nus. C'est un tout petit peu embêtant du coup. Ok, bon, une bonne chose de faite. Alors, on a récupéré de l'amour et de la famille. Cette image vous fait sourire. Je crois que c'est Tyrion Fordring avec sa femme et son fils au lac Cairdarrow. Balnazar, à nous deux. Enfin, à nous cinq. Pauvre idiot, vous croyez pouvoir me battre si facilement, affronter la puissance des Nathrezim. Eh ben, j'avais peur que le dernier épisode soit un peu long. Mais au final, au vu du temps qui nous reste là, ce sera dans le prochain et ce sera un peu court. Parce que la deuxième aile de Stratholme, bien que plus compliquée à l'époque, se fait plus facilement aujourd'hui, je trouve. Hein. Elle est plus courte en termes de distance, donc fatalement, on l'a fait beaucoup plus vite. Soyez maudits mortels, tous mes plans de vengeance, toute ma haine, je serai vengé. Alors, il va falloir qu'on aille se soigner. Enfin, soigner l'armure surtout. Salutations. Alors, en avez-vous trouvé le tabac de Frasiabi? Vous avez vraiment découvert un produit de légende, il est quasiment impossible de donner un prix à ce célèbre tabac. Tenez, prenez ces quelques piécettes. Surveillez mon arrière. Il est bon que nous ayons stoppé Balnazar. En peu de temps, son armée aurait envahi tout Stratholme, ce qui lui aurait offert une capitale puissante pour son nouvel empire impie. Le tableau. Vous avez réussi à trouver le tableau? Maître Fordring débordera de joie quand il reverra ce tableau. Vous pouvez avoir cet objet en récompense. Je l'ai trouvé ici caché dans l'une des armures d'une créature du fléau. Bon, il n'a rien trouvé du tout, quoi. Comment allez-vous ? Bien joué, mon gars. Sans ces nouvelles armes, ils sont tout aussi faciles à tuer que s'ils étaient vivants. Portez-vous bien. Allez, je tuerai bien cela pour la forme. Ah, mais on est tout seul maintenant ? Bon. Et oui, parce que vu qu'on a tué les ressuscités écarlates, il n'y a plus personne pour défendre ce bastion. Forcément. Voilà. Bon. Allez, on quitte le groupe. Je sais pas où ça va nous ramener. Parce qu'à la base, on était dans Stratholme quand on a récupéré le groupe. Ah!
Et bien c'est parfait, ça nous ramène exactement où il faut. On va utiliser le yak, même si c'est pas RP. Beaucoup de bonnes affaires pour les amis des Drevelots. Bah oui, beaucoup de bonnes affaires. C'est exactement ce qu'il vous faut. Hop. Ah, alors, Duc Ravage. Lui, il sort de Stratholm. On va s'occuper de lui. Voilà, une bonne chose de faite. Bon. On va se diriger vers la deuxième aile de Stratholm pour cette fin d'épisode. Ce sera un épisode un peu court, mais bon, c'est pas bien grave. Comme ça, on sera directement à l'intérieur pour le prochain et on pourra tranquillement finir l'aventure sans se presser. Parce que bon, même si le donjon est pas très long, il est possible qu'il prenne son petit bout de temps. Et puis ça nous permettra de faire le point sur l'aventure, hein, comme on essaye de le faire à chaque fois, à chaque fin d'aventure. Alors là, le truc, c'est que je ne me souviens plus d'où est l'entrée. Si, je crois qu'elle est par là. Elle est juste avant le peste-bois, en fait. C'est ça, elle est juste ici. Bon. Porte du mur d'est, voilà. C'est par là qu'on venait avec la clé qu'on récupérait sur le magistrat à l'époque. L'entrée de service. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer pour aller prendre les quêtes? C'est pas dit, hein. Vous m'offrez une chopée? Alors, de l'or liquide. Alors que le fléau se déversait sur Stratholm comme une plaie, les chevaliers de la main d'argent confectionnèrent une eau sacrée permettant de lutter contre les envahisseurs. 10 flacons de cette eau furent stockés dans des petites caisses avec d'autres fournitures de survie et distribués dans toute la ville. Malheureusement, les habitants se transformèrent en membres du fléau avant même que les réserves ne soient utilisées. Ces caisses de fournitures nous aideront beaucoup à lutter. Rapportez-moi un flacon d'eau sacrée de Stratholm, nous devons la reproduire en grande quantité. Adieu alors. Eh ben ça tombe bien, j'en avais. C'est la fiole d'eau sacrée de Stratholm. Attendez, c'est juste de l'ordinaire? Ne jouez pas au plus fin avec le vieux Navrepierre. Excellent, en grande quantité, l'eau sacrée aura un effet dévastateur. Portez-vous bien. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un élite, deux élites, trois élites, bon. On pourra pas récupérer les quêtes dans cet épisode, je pense. On va essayer. Les intrus à la porte de service, le seigneur Vaifant doit être averti. Le magistrat qui se remue. À mon avis, tout seul, ça passera pas. Hein. Obligé de s'enfuir comme un lâche. Ah, si j'y arrive à m'enfuir comme un lâche. Voilà. Bon. Je pense que c'est impossible pour l'instant d'aller récupérer les quêtes. Donc c'est pas grave, hein, on les récupérera dans le prochain épisode. Hop. Du coup, on a réparé. Du coup, bah, c'est tout bon. J'ai pas forcément besoin de vendre. Ça fait un épisode un peu court, je sais, mais c'est pas grave. Nous, on se quitte du coup à côté, de Navrepierre. Voilà. Comme ça, dans le prochain épisode, on s'occupe exclusivement de cette aile, du défi, comment ça s'appelle. Il faudra du coup s'occuper
Eh ben de Nerubekan, la baronne Anastari et Maleki le Blafard pour faire tomber en fait les trois cristaux des ziggourats. Et une fois que ces trois cristaux seront tombés, on aura accès à l'abattoir. En passant, on pourra aller s'occuper du magistrat. Et on terrassera du coup Rammstein et le seigneur Orius Weifandre qui ont subi. Enfin, Orius Weifandre qui a eu un destin vraiment tragique. Puisque c'est à lui qu'on rendait la quête à l'époque de Vanilla dans la chapelle avec le petit collier. Enfin bon, c'était une belle histoire qu'il avait. Voilà. Du coup, bah, on se dit à bientôt et oui, à bientôt pour le dernier épisode de ce Let's Play. Et on se retrouve du coup bah, dans le dernier épisode pour terminer Stratholme et cette aventure bas niveau cataclysme, l'aventure d'un humain. Moi je vous dis à bientôt, salut! Un plaisir de vous rencontrer.